1977, invention du code barre. Le King Elvis nous quitte à 42 ans dans sa maison de Memphis, Tennessee. George Lucas projette sur les écrans le premier épisode de la saga Star Wars. Apple Computer Incorporation voit le jour et commercialise l'ordinateur Apple II. Perrine Pellen, 17 ans, signe ses trois premières victoires en Coupe du Monde de slalom. Mais avant tout, 1977 marque la sortie de la Rancho, le tout nouveau concept de véhicule crossover par Matra Simca. Tout droit sorti des chaînes de montage de Poissy, la Rancho propose un moteur de 4 cylindres en ligne, un carburateur double corps, 80 chevaux sur le capot et un look résolument tourné vers l'aventure. La Rancho deviendra ainsi le symbole de toute une génération. Ou presque. This is Rancho. This is Rancho. En alpin, Rancho, il était bon. Mais il s'est fait virer de partout, il était ingérable. Rancho? Bah, non, jamais entendu parler. Il aurait pu être bon en ski de boss, mais il en a jamais fait. Rancho, le backcountry, il a toujours cru que c'était une marque de cornflakes. Bonjour Freeride, il a envoyé du gros, mais bon, il posait souvent sur le dos. Rancho, il me doit 400 euros. Celui-là, si je l'attrape, je vais le défoncer. We'll be right back.